Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'XP en illimité sur Fortnite très rapidement et très facilement et ça sans rien faire. Donc vous aurez juste à maintenir votre touche. Donc vous mettez un élastique sur une touche et vous allez voir, ça va faire gagner des XP en illimité. Donc c'est une des meilleures astuces que j'ai trouvées pour l'instant sur le chapitre 3, saison 1 de Fortnite. Alors pour réaliser cette astuce, vous allez aller dans le mode découvrir, enfin dans le choix des maps, quoi, tout simplement. Et là, vous allez faire R1, R1, R1. Vous allez dans code de l'île et vous allez taper le code que je vais vous citer. Donc le code, c'est 5, 4, 7, 1. 2, 2, 8, 5, 9, 1, 3, 1. Ensuite, vous acceptez, vous attendez qu'il se charge. Ensuite, vous appuyez sur X pour lancer le jeu et lancer bien en privé. Hein. Donc là, c'est public. Là, je vais mettre en privé en faisant flèche du haut. Et lancez bien le jeu de cette manière, en appuyant sur carré et lancer le jeu de cette manière-là. Parce que pour l'instant, en mode créatif, si vous lancez la map directement via le mode créatif, ben en fait, vous ne gagnerez pas d'XP parce que je pense que Fortnite a désactivé l'XP du mode créatif temporairement. Donc pour l'instant, on ne peut pas gagner d'XP directement dans le mode créatif. Mais si on lance des maps comme ceci, comme je suis en train de faire, là, on peut gagner des XP. Donc là, quand vous arrivez sur l'île, ce que vous allez faire, ben, c'est tout simplement attendre parce qu'en fait, regardez, vous ne pouvez pas lancer la partie comme c'est une partie matchmaking. Donc c'est un peu comme si c'était un mode multijoueur, sauf que vous êtes en solo parce que vous êtes en privé. Après, vous pouvez faire la map en solo, en public, mais si vous le faites en public, le problème, c'est que vous aurez d'autres joueurs avec vous qui vont vous déranger et vous n'allez pas pouvoir faire l'astuce que je vais vous expliquer. Donc là, vous attendez 60 secondes. Donc pendant les 60 secondes, comme ça, ben, je vous montre bien qu'il n'y a aucun coupure, aucun trucage. Je vais vous expliquer un truc à propos des XP. Donc, les XP en fait sur Fortnite en mode créatif, c'est complètement random parce qu'il y a des personnes qui vont gagner genre plein d'XP, genre 1000, 10 000, 5000, et il y a d'autres personnes qui vont gagner 10, 20, 30, 50, 100, 200. Voilà, c'est complètement random. Même si vous créez un nouveau compte, moi c'est un nouveau compte, ben je gagne pas énormément d'XP. Parfois j'en gagne beaucoup, parfois j'en gagne pas. Ça dépend des maps créatifs. Alors je sais pas si c'est par rapport aux heures de gameplay, si c'est par rapport aux saisons que vous avez participé, si c'est un nouveau compte, un ancien compte. Je ne sais pas du tout c'est quelle variante qui prend en compte pour vous donner des XP. Mais en tous les cas, c'est complètement random et c'est carrément un peu chiant. Parce que il y a mes potes qui gagnent blindés. Moi, parfois, je gagne rien du tout. Sur mon compte principal, j'ai tellement tryhard le mode créatif pour les XP ben, que je gagne quasi rien sur quasi toutes les maps. Après, il y a certaines maps qui me rapportent beaucoup d'XP, mais elles sont assez rares. Donc, je suis obligé de tester blindé d'astuces, blindé de glitch parfois aussi pour essayer de gagner un maximum d'XP très rapidement. Donc là, quand le jeu se lance, ben, vous attendez que ça se lance. Et là, vous allez voir, c'est super facile. Ce que vous avez à faire, c'est très très facile. Donc, dès que la partie s'est lancée, normalement, je gagne déjà des XP. Voilà, je gagne 338 d'XP parce que ben, j'ai rejoint la map. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tuer le bot comme ceci en illimité. Donc, vous maintenez votre touche R2 ou R1, ça dépend la configuration de votre touche, de votre manette, et vous allez tuer le bot en illimité. Donc là, vous avez vu, au début, j'ai gagné 80 XP, ensuite j'ai gagné 89 XP, puis après maintenant, je gagne 56 XP. Donc les XP, en fait, parfois, ça augmente, parfois, ça diminue. Je ne sais pas pourquoi non plus ça fait ça. Là, j'ai gagné 96, 2 fois 96. Donc peut-être que plus vous allez faire ce glitch, plus vous allez gagner d'XP. Ou peut-être plus vous allez faire le glitch et moins vous allez gagner d'XP. Donc là, regardez, je suis redescendu à 55. Là, je suis redescendu à 15, 63. Donc voilà, c'est complètement aléatoire, j'ai l'impression. Donc voilà, de toute façon, ça vous coûte rien d'essayer. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que la map, elle ne s'arrêtera jamais. Donc si maintenant vous allez travailler, vous allez dormir, vous allez à l'école, vous allez manger, vous vous mettez dans cette petite map et vous faites cette petite astuce. Et là, vous allez monter vos XP assez facilement, assez rapidement, sans rien faire. Si vous mettez un élastique, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je pense que c'est la meilleure astuce actuelle. Si vous avez d'autres astuces
sur Fortnite pour gagner des XP très facilement et très rapidement. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément, comme ça je pourrais les partager à la communauté. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh.